Allez, on continue dans un autre registre là. Je vais passer du jazz. Du jazz et tu vas voir que sur les Infinity, c'est vachement ouvert. Il y a beaucoup de détails. Et après, je vais passer, tu vois, sur les sitar. Tu vas voir que c'est pas pareil. Vraiment pas pareil du tout. Là, je préfère les Infinity. Donc là, on est sur les. Là, on va commencer par les Infinity. Se serait cru dans un bar de jazz vraiment super agréable. Donc tu vois, moi c'est vrai que j'ai ma préférence pour les Infinity là-dessus, mais savoir que les Sierra se débrouillent très bien aussi en fait. Elles ont quand même un bon équilibre, ces enceintes-là, j'aime beaucoup. Après voilà, je pense que c'est aussi une histoire de goût. Il y en a qui vont peut-être qui vont préférer la linéarité des Sierra, et d'autres qui vont préférer un petit peu le côté. Bah, je sais pas, des Infinity qui va être un peu plus porté vers l'aigu. T'entends vachement qu'il y a les notes sur le haut du spectre. Le haut du spectre, j'ai du mal. Tu les entends plus sur les Infinity. Mais voilà, c'est vraiment pour une question de goût et ce que tu vas écouter comme musique. Voilà. Après, je crois qu'on va changer carrément d'enceinte.